Sorte. Attendez un peu. C'est grave. Wow. Wow. Maman, si vous pouvez vous envoyer les cœurs. Il sait que vous avez trop bon mal quand je mange. On met ça dans la cuisine, excusez-moi. Mis ce bon appétit. Merci de partager d'avoir ce conseil-là. Nous sommes là-haut. Bon appétit à toi. Vous m'avez trop lavé. Que oh, mange trop. Qu'elle mange mal. Donne-moi la nouvelle de la mort de la doyenne. Maman, c'est grave. Maman. Mais socoleuse, qu'elle mange en live, j'ai l'appétit. Parce que je suis seule. Il n'y a pas l'appétit qu'elle mange seule. Mais tu manges en live comme ça. Donc vous me voyez, je vous dis bon appétit, ça me donne l'appétit. Parce que là, elle n'a pas l'appétit. Sur le macabre, malassé, maman, elle est le poulet du village. Vous savez que je mange beaucoup traditionnel. Je mange, j'aime les mets africains. J'aime pas trop les riz, sauce tomate, les rôtis, là, c'est pas mon couloir. Vous êtes bien, bien, madame, merci. Maman, la mort, ce n'est rien. On a aussi tapé un petit là hier, ce qu'on a failli le tuer, maman. Après, c'est la matinée, si là. Hé! Hey! Mon cœur fait mal. Mon cœur fait mal. Partager. Mais ce qu'on a, ce macabre, c'est bon, non? Merde! Il y a certains. Pourquoi c'est le poisson fumé là? Il y a un poisson sec là qu'on vend au marché. Il y a un poisson sec qu'on vend au marché, non? On attache avec les fronts comme ça. Ouais, pardon, Richel, laisse-moi. Vous voyez le poisson sec là que les mains là. Les mains là vendent au marché, non? Elles sont attachées avec les fronts, c'est blanc comme ça là. J'avais jamais mangé ça. Ça, les gros os comme ça, là, mais quand on voit, ça devient mou. Vous voyez, où est le poisson là, non? Les gros poissons blancs, là, comme ça, que les mamans, là, vendent au marché. Et la tâche, comme ça, avec les frondes, ça. Maman, mais son coyote, c'est sucré, oh. J'ai sauté au macabo avec nos. Donc, j'ai fait mon macabo aussi avec le poulet du village. Vous savez que le poulet du village n'est jamais gros, c'est toujours maigre comme ça. Grâce au poulet du village. Et acheter les poissons là, non, les poissons secs là. Pour faire le poisson, pour faire le macabo, pour faire le macabo malassé, c'est avec les gros crevettes là, avec les morues, avec le mbunga. Donc j'ai mis tous les poissons secs qu'il y a au marché dans le poisson. Donc, si vous connaissez un poisson qui existe au marché, oui, j'ai très mal aux yeux. Vous connaissez, non. Donc si vous connaissez un poisson sec qui existe au marché, sachez que j'ai mis dans le macabo aussi là. Donc, j'ai un ami qui m'a dit qu'il veut manger le macabo malassé. Maman, il s'est marché. Il demande un peu 17 minutes sur le macabo aussi là. Voilà. Donc, excusez-moi. Dernièrement, je mange beaucoup en live parce qu'il n'y a pas de sujet de socle. Le socle est trop rare sur la toile. Nos stars sont trop intelligentes. Elles n'avaient plus apporté de socle sur la toile. Vous voyez, non? Depuis matin, je vois une dame qui est décédée sur Facebook. Depuis le matin, je vois une dame qui est décédée sur Facebook. On l'appelle Céline la doyenne, maman. Je ne crois pas cette dame de. Je ne la crois pas de. En fait.
De près, je ne la connais pas, donc je ne l'ai jamais vue en face. Mais c'est seulement qu'on me dit toujours qu'il y a une dame comme ça à Paris qui prépare, elle vend. Vous comprenez un peu, non? Donc on me dit toujours qu'il y a une dame comme ça qui a un restaurant à Paris, là-bas, elle prépare trop bien, elle fait trop bien les mets africains. Et qu'elle s'appelle Céline la doyenne. Pardon, vous voyez les clés, moi, elle vous donne le socor, si la met socor. Le dossier est risqué. Le dossier est risqué. Donc ça peut me dire pourquoi on te regarde manger. Non, mais. Et pour vous donner le socor, parce qu'on coupe sur la lumière, Minas Yabodamou, ça dit. Je mange à vous donnant le socor, non. Vous mangez tous les jours dans un peu à un peu. Donc, et ça veut dire que la. Envoie au moins les cœurs, non, maman. Envoie au moins les cœurs pour que l'algorithme de Facebook voit qu'on est. On est presque 3. C'est qu'il y a des gens qui sont en train de regarder, non. Je sors de la cuisine, ma chérie, maman. Je sors de la cuisine. Et j'ai très mal au nez. Donc, j'ai mal aux yeux, non. Ça prend mes nez comme ça, là. Ça fait trop mal. Ça fait. Et je sors de la cuisine. Mon enfant va dire un mot dans la vérité. Comment je comprends pas. Pourquoi venir toujours manger devant les gens? Mais si ça ne vous intéresse pas, vous quittez pendant qu'ils mangent, non? Pourquoi vous aimez compliqué comme ça? Si demain ça vous énerve, vous prenez le direct, vous ne verrez pas. Ne regardez pas quand je mange. Est-ce que vous obligez à regarder? Non, mais c'est un truc de ouf. Vous payez toujours que je... Si le macabre me lassé, c'est même pas comment on va dire que c'est un dieu. Si le macabre me lassé, fait la façon du village. Ok. Et pas d'abord, mes chéris. Attendez, vous respectez. Faut que pas d'abord. Ça vient. Je ne peux pas trop boire le vin. Donc, je vous explique avant de manger. Non, ce matin, je suis restée. J'étais aussi en train de partir sur Facebook. Non. Je vois seulement comme ça, on met les pieds partout. On dit que Céline la doyenne est morte. Céline la doyenne est morte. Mais elles sont curieuses. Pour vous dire, moi, je ne connais pas cette Céline la doyenne. Mais c'est seulement que c'est un nom célèbre que j'entends depuis les années. C'est un nom célèbre que j'entends parler depuis de nombreuses années aujourd'hui. Donc, il savait que la dame est venue ici au Cameroun. On dit qu'elle a ouvert un autre restaurant ici au Cameroun. On dit qu'elle est venue donc. Et hier, elle est sortie avec ses amis. Elle est sortie avec ses amis hier. La dame est rentrée chez elle dans son appartement à Deido. Et on l'a retrouvée morte dans son appartement à Deido aujourd'hui ce matin. Est-ce que comment ça j'aimerais le dire? La dame est venue de la France. Elle est propriétaire d'un restaurant en France. Elle a beaucoup, beaucoup et beaucoup d'argent. Vous comprenez, non? Elle a quoi? On ne parle pas des petits agents là que. On dit qu'elle a, elle a extrêmement de l'argent. Elle est franchement riche. Donc c'est une femme, une des restauratrices qu'on respecte à Paris. Que les gars et les femmes de la diaspora la respectent et honorent. Vous comprenez, non? Mais la femme de tout, elle est venue ici, elle a ouvert notre restaurant ici au Cameroun. Elle est venue ici là, elle est sortie avec ses amis. Elle est rentrée et ce matin, elle a trouvé décédée dans son appartement à Deido. J'ai vu sur Facebook comment on a emballé le corps, emballé comme ça, comme le corps des musulmans. Tu peux finir ça, c'est pas beaucoup, c'est la caméra qui peut, tu penses que c'est beaucoup. J'ai seulement vu comment on a enroulé le corps de la pauvre dame. On t'a encore le porter sur les épaules comme ça, là, pour aller mettre dans une petite voiture. Non, mais notre pays se souille trop les gens. Le Cameroun se connaît souiller les gens. Comment on peut mourir comme ça? Il n'y a même pas l'ambulance pour venir porter le corps, maman. Moi, comment le pays ici, hein? Parce que les images-là me choquent encore jusqu'ici. Ces images-là me choquent encore jusqu'ici. Comment une femme de son calibre peut décéder? Les sont même une femme de son calibre. Mais c'était un nouveau-né. Comment quelqu'un peut mourir à la maison?
Ce sont les gens qui viennent comme ça porter le corps. On a roulé, roulé, roulé sur les draps. Ou bien que dans une petite voiture, il y a des gens qui sont à côté en train de dire que le corps n'a pas entré dans la petite voiture ici-là. Avec nos hôpitaux d'État qui sont ici au Cameroun, maman. Deuxième ambulances dans ce pays. Les ambulances que je vois souvent là-bas à Bessène, je vois souvent à Bonanjola, ça passe souvent porter seulement les qui. Les ambulances, ça passe souvent porter les qui, je ne comprends pas. Hein. L'ambulance. Donc, on vous dit qu'il y a un corps quelque part, vraiment, ce pays, vous m'énervez. On vous dit qu'il y a un corps quelque part, vous êtes vraiment incapable d'envoyer l'ambulance à aller porter le corps pour aller mettre à la morgue. Hé! Hey! Maman, je comprends pourquoi il y a certaines personnes qui. Il y a certains Africains. Ils pensent que c'est une mauvaise organisation. La famille, il fallait faire après l'ambulance. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui partent en Europe comme ça? Elle vous dit que non. Que je ne rentre plus jamais là-bas en Afrique. Parce que nos choses sont toujours bizarres ici. Nos choses sont surtout bizarres ici en Afrique. Et comme une dame, on a enroulé sur les draps, porté, déposé sur les épaules. On est comme ça, on fouille la voiture, on va mettre dedans. Ya! Aïe! Non, mais c'est trop souillant. On va mettre le soutien. Je suis à la maison, non, maman? Ah! Je suis en porte de soutien jusqu'à mourir au soutien. Je suis à la maison dans la cuisine. Il fait chaud. Et il a bu presque une bouteille de vin seul. Regardez. C'est facile. Il a d'abord raison d'avoir chaud ou le soutien. Il a d'abord bu la bouteille de vin seul. Donc ça me tourne un peu d'abord là. J'ai encore franchement mal aux yeux. Donc je dois avoir chaud. Il a encore porté au soutien pour faire quoi? Donc la matinée là est décidée comme ça. Tantôt je lis sur les pages. On dit que. On a trouvé dans son appartement meublé où j'ai été décidé, les pieds étaient enflés. J'ai encore vu sur la page de ma Fleur de Lille comment elle dit que c'est une femme qui l'a empoisonnée et qu'elle est décédée. Donc on dit comme ça qu'on a seulement empoisonné mais socoyeuse. Vous voyez la vie. Vous voyez les amitiés mbrakata. Hein? Vous voyez les amitiés mbrakata, mes chéris. Tu viens au pays, tu te morfonds, tu dis que bon. Il y a par exemple telle soeur, il y a telle amie comme ça, il y a telle copine que depuis des années je n'ai pas vue. Alors je vais décider, je l'invite quelque part aujourd'hui prendre un verre. On va s'amuser prendre un verre. Tu amènes l'ami là quelque part. Avec l'ami là encore qui met le cube magique dans ton verre. Tu bois, tu rentres maintenant à la maison, tu tailles. Hey! J'ai peur. J'ai très peur. Ça fait peur. Et moi, quand les gens sont sur Facebook, on se déchire. On discute les amis. Oh, c'était ma copine. Oh, c'est ma copine. Les amitiés mbrakata. Maman. L'homme avait chanté que si tu me tues, ne reste pas mourir. L'homme avait chanté que si tu me tues, ne reste pas mourir. Tu portes pourquoi ma mise? C'est une prise en charge. Maman, attends, d'avoir vu ce que c'est grand-mère. L'engagement, c'est que si tu me tues, ne reste pas mourir. Vous-même qui partez, vous empoisonnez les gens. On dit, on est mort. Quelqu'un mort sur le poison. Quelqu'un mort sur le poison. Vous prenez même souvent le cœur là-haut. Quand vous faites souvent vos gens, quand vous commettez souvent vos forfaits là, vous couchez, vous dormez comment? Vous couchez, vous dormez comment après avoir? Donc, gars, mon frère, il voit tout ça comme la magie, hein. Donc, il voit tout le fait d'empoisonner le cœur. Moi, je crois toujours que c'est un truc qui n'existe pas. Parce que comment comprendre que quelqu'un va aller prendre le poison pour ça, mettre dans le verre d'un être humain, de son semblable. Il boit aussi, pas pour il boit. Après, il entend que la personne est morte. Et la personne en vit. Elle vit. Elle est tranquille. C'est quel cœur comme ça, même. Hein? Aïe! Voilà la pauvre dame qui est morte. Il dit, hey, c'est ses enfants. Et son restaurant en France. Toi, maintenant qu'il a tué, tu vas profiter quoi? Maintenant, la personne qui l'a tué va donc profiter quoi? Je me pose juste la question. Elle doit profiter quoi? Parce que même si aujourd'hui, une amie vient me tuer, non, mais ils sont curieuses. Une amie vient aujourd'hui m'empoisonner. Si tu m'empoisonnes et que je meurs, tu ne seras jamais moi. Tu ne seras jamais ma mise au corps. Moi, c'est moi. Moi, c'est Léa Campbell.
Moi, c'est Chantou de Bouddha. Moi, c'est Léa Jennifer. Tu ne seras jamais moi. Vous comprenez, non? Vous perdez sur votre temps. Tu ne seras jamais moi. Tu ne peux jamais avoir mon étoile. Je serai toujours moi, tu seras toujours toi. On n'a pas la même étoile. On n'a pas les mêmes chances. Hein? Vous perdez sur votre temps. Pourquoi assassiner les gens? Non, mais c'est un truc de ouf. Ça fait peur. Hey! Maman! Tu me tues! Tu vas venir prendre ma maison aussi là. Tu me tues. Tu vas venir prendre mon os pour porter. Tu vas venir prendre la perruque pour porter. Tu auras le tennis que j'ai. Tu vas penser comme moi. Tu vas sortir avec mes amis. Tu ne seras jamais moi. Je suis moi, tu es toi. On ne sera jamais gars. Donc vous perdez, Michel, merci. Oui, 50 de toi. Vous perdez souvent votre temps pour rien. Tu tues le temps que tu ne vas pas remplacer comment? Tu tues mes gens que je ne vais pas remplacer comment? Oh là là. Non mais réfléchis souvent un peu. Que, ok, je l'abandonne comme ça, elle meurt. Qu'est-ce que je profite? Le profit c'est quoi? On va prendre ce que j'ai donné. Non. Tu vas gérer ces restaurants alors comme tu l'as tué. Non, tu ne dois pas gérer ces restaurants. Tu dois voyager entre les deux avions comme elle est voyagée là. Non, tu ne peux pas voyager comme elle. Conclusion. Ce que vous faites est nul. Oui. Oui, moi je suis Chantou de Bouddha. Si tu, une copine dit aujourd'hui m'empoisonner, c'est pour prendre quoi? Tu ne seras jamais moi. Hein, Michel, merci ma chérie. Tu ne seras jamais moi. Moi, c'est moi. Tu ne vas jamais parler comme moi. Tu ne vas jamais agir comme moi. Tu ne vas jamais manger en live comme moi. Hein? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas boire dans ce verre comme moi. Tu ne peux pas faire ce que je faisais. Donc, c'est peine perdue. Ça m'a donné la chair de poule, hein, maman. Ça m'a donné la chair de poule. Donc, je la collais pas, mais ça m'a beaucoup fait mal. Oui, maman, on va finir avec elle, non? Va sur la page de Fleur de Lille, tu vas voir. On dit qu'on l'a empoisonné. On dit qu'on a d'abord vu sa page de Léo Fonja. Après, il a vu sa page de Fleur de Lille. Sur la page de Léo, on dit que ses pieds étaient enflés le matin comme ça quand on est venu. On l'a trouvé morte. Sur la page de Fleur, on dit qu'on l'a empoisonné. Que ce femme qui l'a empoisonné. Une femme qui était hier qui l'a empoisonné. C'est ce que j'ai aussi lu sur les pages, maman. Ha! Toi, maintenant qu'il l'a empoisonné, voilà en France gérer son restaurant, on voit. Va le gérer son restaurant qu'elle a ouvert sa doigt là, on voit. Yish! Mais! Hey! Tout ça est. Que Dieu me pagne ce genre d'amis. Que Dieu me pagne des amis envieuses et envieux. Heureusement que moi d'abord je marche toujours les gens qui sont plus riches que moi. Mes amis, la plupart de mes amis d'abord sont les garçons. Je marche avec deux garçons, mes deux meilleurs amis sont les garçons. Ils sont bien riches. Ils vont m'empoisonner pourquoi quand ils sont tous qui ont l'argent. Hein? Ben, les femmes sont trop compliquées. Mes amis, c'est deux garçons. Ils sont ici à droite là. Chose baisse. Il y a pas qui prestige. Hey! Mais. C'est énervant. Reste à savoir si c'est vrai aussi, ma. Quand elle quittait en France, elle a voyagé. Elle s'est filmée dans son business class. Elle est venue au Cameroun. Elle était bien portante depuis avant-hier. Il y a des gens qui étaient avec elle avant-hier. Elle n'était pas malade. Elle n'était pas malade. Elle est sortie s'amuser avec ses amis hier. Elle rentrait avec des sets. Tu me dis que c'est simple. Tu fais quoi avec les amis? Maman, c'est mes deux meilleurs amis, non? Mais ils sont aussi les garçons. Ces deux garçons, ils vont me faire quoi? Ce sont mes aînés d'abord. Ce sont mes aînés. Ils sont trop riches. Ils sont des milliardaires. Donc, ils n'ont rien à envier. Ils peuvent seulement me soutenir dans mes projets. Ils peuvent seulement me tenir la main. Ils peuvent seulement m'aimer. Vous comprenez un peu, non? Parce que l'amitié avec les femmes, là, c'est quelque chose. L'amitié avec les femmes. Tu veux manger? Regarde.
Retire, non, c'est pour d'être aussi venu manger, donc retire avec, tu vois. Vous comprenez, mais elles sont curieuses. Le dossier est trop pourri. J'ai aussi vu notre petit là qu'on a tapé comme ça, parce qu'il a failli d'ailleurs aussi. La jalousie, c'est la sorcellerie. Maman, tu tues quelqu'un que tu vas pas rester la remplacer. C'est comme si les gens là qui partent souvent empoisonner les gens, non. Elles ne sont pas souvent conscientes. Parce que c'est comme si elles ne sont pas conscientes que comme elles tuent la personne là, elles ne seraient pas la personne. Elles ne doivent pas faire ce que la personne faisait. Mais elles tuent quand même la personne. Donc méfiez-vous des amitiés mbrakatala. Si vous sortez même, arrêtez vos verres comme ça. Arrêtez vos verres comme ça. Oui, parce qu'on n'est plus en sécurité, maman. Un ami ne doit pas dire, ouais, Léa, pourquoi tu arrêtes ton verre comme ça? Une copine ou une amie fille ne doit pas me dire, pourquoi tu arrêtes ton verre comme ça? Pourquoi tu arrêtes ton verre comme ça, là? Bête, j'arrête comme ça. Je bois, je dépose, je reviens des toilettes, je change les verres, je change de verre. Si c'est comme ça, maintenant qu'on n'est plus en sécurité, non, mais ils sont curieuses. Bête, je bois mon verre si je m'en vais aux toilettes. Je reviens, j'appelle, on me sert, on me donne un autre verre. Je me sers, j'arrête ta main. C'est quoi? Ah, encore. Tu ressembles ma feu tante. Vraiment. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de relayer une information que j'ai lue sur des pages. J'ai lu sur des pages qu'elle était empoisonnée. Mais là, si c'est faux, si c'est vrai, en fait, si c'est même vrai, je suis en train de sensibiliser. Si c'est faux maintenant, je ne sais pas, que Dieu se souvienne d'elle. Que Dieu se souvienne d'elle. Vous comprenez un peu, non? C'est tout. Je vais alors dire quoi? Léa, tu arrêtes ton verre comme... Mais on n'arrête pas le verre comme ça. Hein? C'est pour ça qu'on arrête le verre, mais c'est curieuse. Si tu es en bois de nuit, tu arrêtes comme ça, ma chérie. Tu arrêtes comme ça, là. À la maison, c'est pour ça qu'on tient le verre comme ça, non. On arrête d'avoir le pied ici, là. Penser qu'elle pouvait être malade sans qu'elle ne sache. On ne pense pas. On est en Afrique ici. Nous sommes en Afrique. Malade quoi sans qu'on ne sache. Faites attention à vous. Elle était malade ou quoi, sans qu'on ne sache. Une femme qui vit en France, qui a de l'argent. Vous savez bien qu'en France, comme ça, là, même si tu as n'importe quel maladie dans le corps, la médecine de là va te dire que tu as tel chose dans le corps. Vous pensez que la médecine de la France, la médecine de l'Afrique, hein? Vous parlez de quoi? Soyez prudent quand vous sortez. Les gens n'aiment pas les gens. Quelqu'un va seulement te haïr comme ça parce que tu as même posé seulement les ongles si c'est beau. Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Les gens sont tellement aigris. Quelqu'un va te haïr parce que on t'aime sur les réseaux sociaux. Quelqu'un va même te haïr quand vous allez te tuer comme ça parce que tu as porté seulement la chaîne ici là. Pourquoi elle a posé sur son cou? Donc les gens sont tellement bizarres, je ne comprends même plus. Je ne comprends plus rien. Gars, prenez soin de vous. Choisissez avec qui vous marchez. Choisissez avec qui vous marchez. Nous, en choisissant, on est en sécurité. On va l'entrer dans le cœur des gens. Pardon. Et maman, on m'a quand même lancé. Est-ce que eux? Ma carrière, c'est bon. Elle a eu un arrêt cardiaque. Maintenant, pas moi là-bas. Tu es parti là-bas prendre son poule pour voir qu'elle avait un arrêt cardiaque, moi. Je suis moi-même, je suis en train de manger. La jalousie. C'est la doyenne. Je ne la connais pas, elle n'est jamais vue en face. J'entends tout parler d'elle. Qui veut le poisson ici là? Ça, c'est un poisson là qu'on vend au marché. Je vous ai expliqué facilement. Poisson, c'est non, c'est un poisson sec là qu'on vend, quoi. C'est blanc. Quand sur le marché, les mains là, elles ont attaché ça au marché comme un morceau, comme le bois de 100 francs, non, deux attachés les fonds.
C'est blanc comme ça là. Tu me lances ma coupe avec moi. Bien pas sur les os, les os deviennent mou. Mais t'as pas après. Trop bon. Donc, espèce avec la poule du village, le coq du village. Regardez pour moi s'il te plaît. Trop bon. Et vous en, je vous envoie pas préparer le macabre, mais là c'est avec le. Avec les poules de chair. Ça se parle. Ça se mange avec le poulet du village. Le poulet du village. C'est dur jusqu'à. Merci. Merci Anna. M'as-tu fini un poulet seul? Non. C'est le macabre le poisson qui est dans le plat. Oui, le macabre. Le macabre, non. Le terme parle chinois. Ouais, vous ignorez quoi, bébé. Mais bébé, le macabre qu'on a découpé comme ça, là, non. Sauté. Avec le coq du village. Bon. Poisson seglan. En paix de Céline, la doyenne qui est décédée. Il y a les mamies Sokola qui viennent m'insulter ici en live que tu es obligé de manger en live là les gens. Tu es trop villageois à ce moment. Ça me donne l'appétit. Bientôt vont venir dire que tu bois l'eau dans la bouteille. Tu vas chercher le verre. C'est mon nom. C'est mon nom. Merci. Quelqu'un qui donne, tu manges, on te regarde. Est-ce qu'il faut se calmer, regarder? Merci, Mouna. Est-ce qu'il faut se calmer, regarder, manger? Voyons. Trop bon. Le corps du village, maman. Les vieux goûts du village, alors. Il est éduqué. J'aime tous les repas du village comme le couscous, le taro. Et puis quand même. Pardon. La poule du village est due au feu. J'ai préparé seulement en 1h31. 1h30. Enfin non, eh bien, si je n'ai pas bien préparé la poule du village ici là, non. Si ce n'est pas. Si c'est pas mou comme ça, j'ai bien préparé ça. Vous voyez que. Mais. Vous voyez que l'eau, c'est même pas croquer l'eau, c'est trop dur. La poule du village. Je suis crémeux. Il manque le ndolé. Je ne vais pas mettre le doigt sur ça. Ce serait trop lourd. Si il met le doigt, ce serait trop lourd, mon bébé. Ah, c'est seulement les poissons que vous voyez sur ça, pour ça aussi. Les poissons secs. Merci à tous ceux qui vous ont bon appétit. Merci, Marceau. Maman, elle finit ça.
C'est pas le poisson, poisson, poisson. Bon appétit, maman Léa, s'il te plaît, crois doucement parce que le goût de ça, hein. C'est la guerre, ma chérie. C'est le poisson. Voilà. Je ne peux pas me dire ce que j'ai chez moi. Parce que j'ai peur, non. Comme il fait le soco sur la toile, je ne peux pas inviter les gens chez moi. Tu y as mon anneau. C'est parce qu'ils mangent en live devant vous que vous voyez que j'ai mon anneau. Mange bien, sans comportement. Trop bon. En fait, comment en mangeant et en buvant le vin, c'est un genre. Bois ton eau à côté. Attends. Elle me dit dans le commentaire, elle dit que c'est la fin du plat. Ton nouveau travail, c'est manger, ma. Ouais, pardon. On n'est même pas prête. Qu'elle mange quand ça lève, j'ai l'appétit. Parce que je suis seule. J'ai vu mon fils, non. Il ne peut pas manger à table. Comme il a sa télé, la chambre avec sa musique, là, il ne s'essaye pas de la chambre à manger. Je vais manger avec qui à table. La soeur de Michael, dans son bon appétit. Merci, Lorraine. Je suis trop jaune. Est-ce que je suis trop jaune? Maman, insultez-moi alors, mais ce n'est pas un bon bail que c'est simple à vous, vous m'insultez trop. Maman, le poulet s'y pèse alors. Il est trop belle. Merci Ariane. Donc chaque jour maintenant, quand vous sautez, on mange là. Mangez pour le chocolat. Pardon, je viens d'arriver. C'est quoi le sujet? C'était la femme là qui est décédée, maman. Jusqu'à tu rougis. Maman, maman. C'est la peau du village, c'est trop bon. Je suis très jolie, je m'agace. Merci. Merci, ma soeur. Comment ce que tu embêtes déjà? Il y a des gens qui j'imagine même pas ce que tu fais aux gens. Ouais. Ici, il y a les pommes de terre, etc. Ça veut qu'on a la passion de l'air. Oui, ma soeur, c'est ce que j'ai lu. Excusez-moi, pardon. Pardon, vous fâchez pas que je suis de la joie. Ah, que vous connaissez les gens. Vous avez commencé à me dire que tu es très villageoise. Pourquoi tu manges devant les gens? Tu es très villageoise. Qu'est-ce qui s'est passé à la femme là, maman? Maman dit que. Elle est partie s'amuser. Elle est venue de la France l'autre jour, la dernière fois. Elle est arrivée ici au Cameroun. Et elle est allée s'amuser avec ses copines et ses amis. Elle est rentrée hier, on l'a trouvée dans son appartement. On est décédée ce matin avec les pieds enflés. Maintenant, ma Flo a posté pour dire qu'on l'a empoisonné, que la femme doit payer. Ça me plaît quand tu appelles mon nom dans ton direct. Ariane! Bonsoir, Blanche. En tout cas, bon appétit quand même. Merci, ma chérie. Le monde est super. Très peur. Blanche, je vais bien. Blanche, Domi, officier. Je vais bien, ma chérie. Ça fait longtemps que je n'ai pas suivi tes directs. Maman,
Maya va d'abord les socos sur la table pour parler. Les stars sont devenus sages. Pour finir le socos, quand tu menaces la propre, c'est le problème, c'est l'empoisonnement, car les amis avec qui elle était hier sont recherchés. Voilà! Mais ce que vous comprenez, non? On dit que les amis avec qui elle est sortie hier sont recherchés. Ils sont recherchés. Vous pensez qu'un être humain est devenu la poule? Quand on reste qu'on se met comme si on était la poule, comme si on était le poulet, la poule de ferme. Mais non! Oh! Je peux me l'appeler. La matinée est dans une joie. Elle se portait très bien. Elle se portait très bien. Elle n'avait pas, elle n'était pas malade, elle quittait de la France, elle n'était pas malade. Mamie Soko, où tu manges, où tu parles, choisis. On ne mange pas devant les gens. Ouais, laissez-moi aussi, non, mon frère. Regarde, laissez-moi, non. Tous les jours, parlez à même chose, on ne mange pas devant les gens. Vous écoutez quand même ce que j'ai encore dit. Laissez-moi avec vos bonnes éducations. Pardon, laissez-moi tranquille. C'est comment? Tu ne peux pas être free là. Tu ne peux pas être free. Tu ne peux pas être free. Tu veux faire quelque chose, on va vous dire que tu te rappelles qu'on ne fait pas. On ne... Laissez-moi, gars, laissez-moi tranquille. On ne mange pas devant les gens. Comment devant les gens, ça vous fait quoi? Vous mourrez. Parce qu'on va manger devant vous. Hein? Ça vous enlève quoi sur le corps qu'on mange devant vous? Laissez-moi avec vous, vos bonnes éducations, non, mon frère. À vos corps. Petit truc un peu, on ne mange pas devant les gens. On ne mange pas avec les mains. On ne mange pas en parlant. Oh, tu manges mal. Tu as bu l'eau de la bouteille. Oh, tu. C'est quoi? C'est quoi? Si le grand mince, tu as trop maigri. Tu prends le poids. Tu as trop grossi. Mais gras. On fait comment? Conclusion, faites ce qui vous plaît. Voilà, c'est pas ça que les gens meurent même. Faites ce qui vous plaît. Faites ce qui vous convient. Faites ce que vous voulez de votre vie. Faites ce que vous voulez de votre vie, gars. Vous fatiguez les gens. Vous fatiguez les gens. Tu manges comme ça, ok, ça vous enlève quoi sur la peau? Ça vous enlève quoi sur le corps? Nous sommes ici dans une conférence de presse. On va dire, non mais attends, tu es en train de manger devant les caméras ou devant les personnes publiques. Non mais arrêtez, hein. Hein? Gars, viens faire comme ça, va ça. Ok, va ça. Ça enlève pas en toi qu'elle mange comme ça. Même si je mange en parlant, dis-moi ma chérie, ça enlève pas sur toi. Oh, tu es bien, tu n'es pas... On ne mange pas devant les gens, on ne... Comment vous mourrez, venez vous croire. On mange pas, vous mourrez. Moi, ça me donne juste l'envie. C'est tout. Tata. Ok, Ariane. On te rappelle les bonnes manières. Elles ont oublié que tu es immature à vie. Maman, vous voyez que ma page, c'est la page des immatures. Les matures ne me suivent pas. C'est que les matures. Qu'elles partent sur la page de robot. Hein? Si le grand trop mature, pas sur la page de robot. Robot, c'est immature. Allez sur la page de la première dame là-bas. Laissez-moi dans mon immaturité, frère. Ah, ou quoi? Aïe. Tu comprends mon temps. Tu sais pas ce qu'après ce direct je veux faire. Je me parle que je veux manger avant de venir lancer au live. Je lance le live en mangeant. Ceux qui vont écouter, vont écouter. Hein, Blanche, Domi. Chacun fait ce qu'il veut, non? J'ai craché sur toi, maman. Pendant que je mangeais ici en parlant, j'ai craché sur toi. Ton métier, non. J'ai craché sur toi quand je parlais. À travers le téléphone, maman. C'est même pas comme si on était en face, face to face. Hein? Lui, est-ce que je mange? Est-ce que robot blague? La plage de robot, robot, c'est une mature. On connaît que robot, c'est une mature. Hein? C'est la première dame. Robot, c'est la première dame. Elle se comporte. Même pour prendre le virage et le volant, elle se comporte. Hein? Même pour freiner, elle se comporte. Même pour manger, tu vas voir qu'il y a les petits couteaux, les petites fourchettes. Gars, frère. Hein? Laissez-moi tranquille. Voilà. Non, mais ça, c'est quoi? Vous êtes d'abord oublié que je suis comédienne à la base. Hein?
vous qui me suivez hier là, je suis d'abord comédienne à la base. Je suis d'abord comédienne à la base. N'oubliez pas ça, n'oubliez plus jamais ça. Donc tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais a trait d'abord à la comédie, c'est mon là. Même si tu craches, ça fait quoi? Voilà. Voilà. Ma sœur, je t'aime trop. Tu ne peux pas être simple. Moi, je suis souvent simple, honnêtement. Laisse les choses qu'on va parler. Du coup, ma mère, c'est qu'on y aura là. Je suis personne de très simple. Moi, je sais pas compliquer les choses. Moi, je vous ai tout dit que sur les réseaux. Gars, comme chez moi, ici, là, si j'avais des faits, ce que j'ai fait, non. Moi, c'est qu'on est une communauté, on est une famille. Hmm? On est une famille mature. Une famille mature. Il n'y a pas les matures de la famille, cela. Vérité, tu as tourné avec ma copine Diva Laura. Ma soeur, on t'aime comme ça. Merci pour ceux qui m'aiment comme ça. Maintenant, pour celles-là, qui veulent le comportement. Mbrakata, gnor gnor gnor. Je vous recommande la page de robot. Hein? Je vous recommande la page de robot. Là-bas, il y a le comportement, les bonnes manières. On va vous faire genre. Coucou, mes lovers. Mamie Soko, je t'ai aperçu chez Marilyn. Tu m'as confié ta cliente qui aimait, qui allait à Bonamou. Ça dit, tu es très belle. En face de Téléa. Merci, Françoise. Merci, je t'ai convié ma copine qui allait à Bonamou. Ça dit, ah ouais? Bon, je rencontre tellement les gens chez Marilyn, mais bon, ça me fait plaisir que... Tu puisses confirmer à ces socoleuses bracatas que je suis vraiment belle en face. Et bien, je suis rouge, 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 je suis rouge. Je vous ai dit qu'en face, je ne suis pas rouge, frère. À cause de moi, mon père te suit déjà et dit que pourquoi tu manges toujours. Ouais, ok. La beauté de ça. Ouais, merci, mes bébés. En 2023, le comportement est mort. Mon frère, il vous a dit que non. Vrai, vrai. Pour vous parler, là, je ne peux pas me comporter. Comment me comporter? Je ne peux pas me comporter les choses que... Je vais lancer le live, je vais arranger. Il va arranger mon col. Fait genre... bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas comment vous avez passé votre journée. Quant à moi, je me porte super, hyper bien. Mais Sokoyo, ça fait d'accord comme pour les matières quand ils veulent baptiser. Ça n'en donne même pas d'abord. Noël, tu vas faire le col, bon, c'est mieux pour toi. Tu fais quoi dans mon direct? Avec les oreilles comme les chips, c'était banni, salade. Avec son nez comme la soupape d'échappement du train, saleté comme ça. Ta face comme la poitrine de l'oiseau. Avec tes dents comme le couteau du soya, idiote. Tu veux bien regarder mon direct? Hein? J'étais dans le taxi quand tu as stoppé pour ta cliente. Ah, je vois. Ah, oui, ma copine, je vois. Oui, oui, oui. Et il y a une socoyeuse qui est quittée de la Belgique. Elle est venue chez Marilyn pour acheter sa perruque. Pour acheter une perruque sans colle. Maintenant, au moment de rentrer, elle partait voir ses amis quelque part à Bonamou. Elle ne connaissait pas. Si on prend le taxi à gauche ou à droite, oui. Je suis allé l'accompagner, j'ai stoppé un taxi, tu es à l'intérieur. Oh là là. Oh là là. Vous voyez comment le bien est bien. Être gentil et poli est bien. Voilà. Si je n'ai pas salué ma mise au corps, c'est que je suis en train de dire qu'elle m'avait vu. Elle m'avait vu quelque part, gnon gnon gnon. Hein? Et, vous, et Jacques ne vous dit ici que je ne connais pas moi ou attiser. Je ne connais pas faire le comportement. Vous allez me forcer comment? Je ne connais pas faire toutes les choses là que vous dites. Moi, je sais faire le nyanga. Je sais le nyanga, je sais cuisiner, je suis une fille très respectueuse. Je sais me battre. Mais quant à ce qui concerne le whitisement, parler les choses genre, bah voilà, ça va. Je ne peux pas leur parler doucement. Tout sur moi, c'est la brutalité. C'est la brutalité, mes orgueilleuses. Françoise dit oui, tout à l'heure. Exactement, tu es très belle. Merci. Oui, tu insultes encore, non. Toi-même, tu sais que tu n'as pas la force à toi. Non, mais parce que les femmes me racontent assez énervées souvent.
Tu veux même parler, non? On dit que non, tu veux pas t'exprimer comme les marques aux pommes, comme les robots. Fichez-moi le camp. Hein? Je suis marque aux pommes, je suis robot. Pour m'exprimer comme elle, je suis moi. Léa Campbell, alias Mami Soko, je suis moi. Je ne suis pas marque aux pommes, je suis moi. Léa Campbell. Vous voulez que je sois comme les autres, pourquoi? Je suis moi, à prendre ou à laisser. C'est ça pour les habitants du Nord. On n'a rien eu comme cadeau. Est-ce que je me fais les cadeaux la nuit? J'ai seulement invité mes socorriers à manger. Après, je leur ai fait un peu une petite main levée comme ça pour leur soutien. Avec le temps maintenant, on va faire un peu de partout. Tu sortais en courant et puis... Attendez. Tu sortais en courant et puis bim! Un bon plat en plein janvier. La gauche est dans le secteur. Maman, elle vous dit que pour faire le macabre, c'est dépenser ce qu'elle va bien venir. Ha! Le marché est cher. Je wonder, et on t'aime tel que tu es. Je suis pas me dépasser, non. Si vous voulez les gens, vous voulez suivre les gens, si vous voulez suivre les gens qui parlent tellement bien, qui se comportent. Marco Pomme, c'est une immature même d'abord. Laissez-moi Marco Pomme de côté. Marco Pomme n'est pas sur le comportement. Marco Pomme, c'est une immature. Robot, c'est une mature. Il y a un robot qui est mature. Il y a encore qui sur Facebook ici qui est mature même. Non, Robot, c'est la première dame. On connaît qu'elle est immature à vie. Allez sur la page de Robot. Donne ton secret. Tu brilles, tu manges. Mon secret, c'est la dame Blanche Neige de chez Mira Cosmétique. Avec les produits Étoile 36. Tout simplement. Ma perruque. Vous savez déjà que je fais les perruques sans colle. De chez Marilyn Hairstyle. Hmm? Les perruques sans colle. Voilà ça. Vous voyez comment je l'ai. Vous savez qu'elle est très brave en teinture. Elle a fini avec les teintures, la coloration. Vous voyez comment même une perruque sans colle. On dirait que j'ai pris ça, j'ai collé sur ma tête. Oh, elle est sans colle. Vous voyez, non. Voilà mon secret. Bon, ça, la mère, j'aime la couleur de ta mèche jusqu'à tu dis merci. C'est Marilyn qui a coloré. Ah, bon, ma mère. Et les gens de Yaoundé, tu oublies. Je n'ai pas oublié, non, mais bébé, ça arrive. On va faire ça au fur et à mesure. Rihanna, tu as tellement les traits de ressemblance avec Michael Jackson de Bouddha. Bref, tu es très amical. Michael Jackson avait un petit nez. Moi, j'ai un gros nez comme ça là. Il avait un visage fin. J'ai un long visage. Et mon degré d'indigence ne serait jamais comme pour lui. Moi, j'utilise les produits d'entretien. J'entretiens ma peau, je ne me décape pas. Merci Manuela. Tu as dit qu'en 2023, tu ne gères plus robot, non, mais... Ouais, sur le blog, il veut tout gérer un robot. C'est d'abord ma copine à la base. Il veut tout la gérer. C'est d'abord ma copine, non. Elle, c'est votre copine. C'est d'abord ma copine à moi, d'abord à la base, non. Donc, je la décharge comme je veux. Je la flègue encore comme je veux. Je prononce son nom comme je veux. C'est d'abord ma copine, non. Et c'est votre copine. Vous ne vous connaissez même pas. Ton homme a la chance de t'avoir comme bébé, maman. Mon homme dit que je suis trop têtu. Même le spray, tu n'as pas mis. Elle a dit, attendez, elle a vu les mains. Et que c'est comme, elle a mis ça comme ça. Elle met le jacques que tu peux seulement faire comme ça de temps en temps, comme moi je fais là, non. Vous voyez, regardez. D'ailleurs, mais déjà que tu fais seulement comme ça de temps en temps, pourquoi j'en inquiète pas. Regardez, vous voyez, non. Elle est très brave. Léa, le piercing de la langue l'a fait mal au départ. Man. C'est. Mon daddy est là! Youpi! Attends, je vois. Il t'a rien dit aux gens ici que le macabre, c'est que le bras, ça va pas. Même pas. Où la clé? Mais son collègue attendait, pardon! Et qui où la clé alors? Ah, c'est ça. Il va arrêter, non? Il veut que tu venais plus. Voilà! Mais son, je pense qu'il va arrêter le live ici parce que je vous ai dit que je ferais ça pour mon ami, non. Je vous ai bien dit que c'était pour mon ami.
que j'ai préparé ça. Donc, il est arrivé là avec son frère. Hé, Papouchou. Maintenant, il va manger tranquillement, tranquillement. Et je vais arrêter le direct. Où est passé le gars qui t'avait menti comme un enfant de la maternelle qu'on flotte avec le bonbon? Écho, tu es sûr que c'est pas toi, non, enfant profil, c'est même toi. Tata, je vais chercher un bon musulman pour toi là. Tu vas venir vivre ici. Hey! La mouche est tombée dans ma nose, tu mens. Bon, mes chéris, mes amis sont là, je vais les recevoir. Bonne soirée à vous. Je vous adore. Ciao, bisous.